Morning guys, il est 8h50, j'ai décidé que je vloguerai mon week-end hier soir en rentrant. Mais là je suis fatiguée, j'ai tellement mal dormi, j'ai fait voilà les rêves, mais genre des rêves bizarres. Et beaucoup de S-E-X-E dans mon rêve, mais genre weird. Genre des trucs que tu veux pas dans ta vie. Bref, je vais vous amener, je suis à bout. Oh les gars, j'ai la tête dans le cul. Il me faut du caf. Je voulais aller me chercher un croissant, mais en fait, là, dans 3 heures, je vais bruncher avec la petite chef Mumu. Oh les gars, je suis KO. Bon, je vais me doucher, mais ensuite, on va aller chercher du lait. Je devais faire un masque avant la douche, mais j'ai complètement sapé. Genre vraiment sapé, c'est pas grave. Je vais mettre plein des soins là dans mes cheveux. Et on va move on. Ok, ça c'est done. On est le 21 mai. Je pars le 24 mai à Nice. Je voulais changer mes billets en début de semaine. Parce que je me suis rappelé que j'avais le brunch aujourd'hui, donc je pouvais pas partir, genre une semaine avant. Je regardais pour les billets aujourd'hui et demain, et en fait c'est trop cher pour changer son billet, parce que c'est le week-end avant l'ascension. Donc j'ai le seum, c'est pas grave, je pars mardi. Les gars, j'arrive pas à émerger. It's time for skincare routine. Je compte absolument vous filmer mes morning routine et night routine, mais il faut que je me pose, que je le fasse et tout. Je ferai peut-être ça à Nice, ça peut être sympa, mais là... Nettoyant. Je vais pas aller dans les détails parce qu'en vrai, ma routine elle change souvent. Genre, elle change assez souvent. Donc là, je prends le nettoyant de chez Skin and Out. Les gars, je l'adore. Vraiment. Je vous jure, là, j'ai tellement besoin d'un café. Mais j'ai pas de. J'ai envie d'un cold brew noisette ou vanille et j'en ai pas. Voilà. J'ai pas mal de taf cet après-midi. En fait. Je vous le dis, ce week-end, je vais vous amener avec moi dans ma vie d'influenceuse, de freelance, d'étudiante et de meuf frustrée qui sort beaucoup et qui a besoin de voir ses amis mais qui ne les voit pas assez selon elle. Voilà. Parce qu'en gros, ce week-end, en gros hier je vous ai pas filmé mais parce que j'ai pris la décision en rentrant de vlogger mon week-end mais j'ai vu deux potes hier, déjà. J'ai vu deux de mes bêtes de potes en fait. Et du coup... Voilà, c'est tout. Je vais pas sortir ce week-end, mais je sais pas ce que je vais faire non plus. Parce que j'ai eu des potes au téléphone qui veulent sortir tout ça. Moi, je suis en mode, faut que je me lève le matin. En fait, à la base, j'avais une autre idée de vidéo YouTube à filmer ce week-end, qui était pour ce soir. Et en fait, comme il faut quand même un budget, tu vois, pas énorme, il faut un petit budget pour cette vidéo, mais que je pars... à Nice la semaine prochaine, j'ai envie de garder ce budget pour Nice et on verra le reste plus tard. Du coup voilà, j'ai décidé de vlogger comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'il y a dans ma tête. Qu'est-ce que je mets après, je sais pas, là je suis fatiguée. Sérum hydratant, la crème à la vitamine C. Attendez, je vais sortir pour avoir une meilleure lumière. Pour sortir, fermé. Ces deux produits, c'est genre mes produits préf. On a la crème à la vitamine C de chez Rennes et la crème solaire de chez Eucerin, c'est magnifique. J'ai un glow dernièrement, qui est aussi dû à un produit que j'utilise le soir. Comment vous dire? Un glow et moins d'acné aussi. Ça, c'est l'huile de Nîmes que j'utilise le soir. Attendez que ça sèche un peu. Oh, si, j'ai remis le bordel. J'ai remis le bordel. Tout le temps, je fais ça. Oh, j'ai pas mis mes gouttes allergiques dans les yeux. Ok, les gars, je viens de recevoir un message d'un mec... qui me dit, je débute un projet photo-vidéo. Est-ce que tu penses que ce serait possible de te prendre en photo? Je sais pas quoi répondre. On connaît quelqu'un en commun. Ça, c'est le genre de truc, je sais jamais quoi répondre. Enfin, je sais pas si j'ai envie que tu diffuses des photos de moi ou quoi. Je sais jamais quoi dire. Bref. Crème solaire. Aujourd'hui, on va essayer d'arranger aussi mon problème de caméra. Il est si tôt. Pour un samedi matin. Pour moi. Check out mon glow. J'ai l'air fatiguée, mais c'est pas grave. Je suis quand même mieux que tout à l'heure. Je devais tourner une collab en fait. Pendant que je faisais ma routine. Que j'ai pas fait, donc je ferai ça demain. Et je l'enverrai demain à la marque. J'ai quand même d'autres collabs à gérer aujourd'hui. J'ai une to-do list. Voici ma to-do. J'ai barré ça parce que c'est pour des collabs. Mais voilà. Et c'est ce que je disais dans ma FAQ. Si je m'organise pas de cette manière, je suis morte. J'oublie tout. C'est ma tenue pour aujourd'hui. Le seul truc étant que ça là, genre, s'il était plus serré, je pourrais pas le fermer. En mode, mais il fait que de tomber.
C'est un peu chiant, mais c'est pas grave parce que sinon je vais jamais le mettre. Étant donné que je suis encore en train d'apprendre ma nouvelle routine cheveux, j'espère que ça va rendre bien. J'ai un peu la flemme de me maquiller aujourd'hui. Je vais juste mettre de l'anti-cerne et un bindi. Et les huiles teintées, enfin une huile teintée de chez Typologie. Ok, je suis ready. On va aller chercher du lait parce que là je veux mon café. Je viens de réaliser, il me manque le bindi, mais c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure. Là, juste du café. Je suis vraiment pas sûre d'aimer la tenue maintenant. Tenue pas adéquate pour la température, il y a moins de soleil que tout à l'heure. Je vais fortement me changer. Le lait est sécurisé, juste je vais me changer du coup, parce qu'il fait froid en fait. Je m'attendais pas à ça. Juste je sais pas du tout comment m'habiller, j'aimerais bien m'habiller comme une bad bitch, mais là je sais, j'ai pas d'idée. Les gars, je suis chaos technique. Voilà, le coup de barre que je me tape là. It is time to cold brew. Par contre, je vais pas le préparer avec vous. Je vais boire avec vous après, mais je vais d'abord filmer un TikTok. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de préparation café sur TikTok. Donc je suis désolée, je dois vous abandonner. Meilleur cold brew en fait. C'est lui là. Mon café d'Inde. Il y a le nan Mexique aussi que j'ai préparé, qui est très bon, mais ce sera pour demain matin. Pour varier les plaisirs. Regardez-moi cette boucle de zinzin. Genre, beauté. Tout ça, c'est mon taf. Faut que je fasse le colis, parce que sinon, je vais jamais le faire. Faut que je fasse ma collab La Poste, comme ça, je peux l'envoyer. J'ai un problème, les gars. En gros, ils m'ont envoyé des goodies, un sac et une tasse, qui doivent apparaître obligatoirement dans la vidéo. Les gars, j'ai perdu la tasse parce que je suis bordélique de ouf et tout. J'ai perdu la tasse. Je n'ai pas bougé de mon canapé depuis tout à l'heure. Il est 11h du mat. Voilà ce qui m'énerve avec mes cheveux là. C'est les petits cheveux là. Vous voyez ? Ça là, ça m'énerve. Et ça, c'est ma nouvelle tenue. Très simple. Voilà, j'ai pas du tout fait la bad bitch. Faut vraiment que je m'active là. Petit shot de gingembre et CBD. C'est mon truc, bref, les shots de gingembre. Ceux-là, ils sont trop bons. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Et je dois prendre mon autre truc. Mais ça, je vais filmer un TikTok. Franchement, faire de la création de contenu, je viens de faire plein de vidéos là. C'est vraiment une activité où t'es seule. Je crois que je me suis jamais sentie aussi seule que cette année, tu vois. Enfin, j'ai jamais. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais ressenti la solitude autant que cette année. Alors que je suis pas comme ça d'habitude. Donc là, c'est. Genre là, je vais pas avoir beaucoup de monde ce week-end, vous voyez. Parce que j'ai beaucoup de contenu à créer, de montage à faire et tout. C'est dur, sachant que je suis quelqu'un qui voit tout le temps ses potes et tout. C'est de plus en plus compliqué. Ma mère qui rentre début juin, j'ai quand même hâte. Parce que ça veut dire que j'aurai tout le temps quelqu'un autour de moi. Et j'ai hâte de déménager en Inde. Ok guys, mes cheveux sont prêts, enfin. Il est 11h30. Bon, ça commence à bien s'améliorer. On n'est toujours pas au stade où j'aimerais être. Parce que bon, voilà, ça va prendre quelques semaines. Genre là, c'est pas assez bien défini pour moi. Mais c'est pas mal. J'adore. Guys, maintenant soyons sérieux. Que je fasse au moins une chose dans ma to-do. Et c'est mon colis Timely. Parce que là, il est 11h40, je dois partir à midi pour mon brunch. J'aimerais bien arrêter de procrastiner là, j'ai rien foutu. La nana m'a commandé un peignoir. Je suis absolument pas douée pour ce genre de choses. Il y a toujours le café par terre de ma vidéo cold brew. Sachez que c'est pas mon premier colis avant de vendre sur Vinted. Don't judge me please. En fait, c'est comme si j'emballais un paquet de Noël. Baptiste, j'ai besoin de toi. Baptiste étant l'ex de ma pote. Et c'est lui qui m'avait dit, enfin qui avait emballé mes cadeaux de Noël. Et le colis est prêt à l'envoi. Maintenant, il faut que je me mène le cul parce qu'il faut que j'aille bruncher dans la capitale. C'est parti mon kiki. Je viens de me rendre compte que j'allais partir. En fait là, je vais déj avec la petite chef Mumu. Je connais même pas son prénom. Pourquoi? Je lui demanderai. Mais c'est pour un entretien, pour mon entretien de mémoire en fait. Mais il faut que je prenne en photo mon guide d'entretien parce que j'ai quand même des petites questions à lui poser. Je crois que je vais avoir du retard au brunch parce que le métro a mis 6 minutes à arriver. C'était pas prévu. Oupsie. Ok, je suis arrivée à destination et je vais ici. Notre petite chef Mumu est en retard. Ça c'est le lieu. J'adore l'ambiance.
Ok, je suis en terrasse. J'ai lâché son blaze plein de fois dans les vidéos. Si elle me dit qu'elle ne veut pas être dans le vlog, c'est cata. Ok, alors déjà, on commence par smoothie du jour et les croissants. Attendez, je vais vous montrer. Ils donnent vraiment très envie. De ouf. Et smoothie et thé. Bon, toi, t'as pris lequel, citron ? Ouais, j'ai pris citron bio, moi. Ok, parfait. Regardez-moi la créatrice de contenu à fond là. On filme tous les gars, c'est incre. Genre le burger donne tellement envie. Ça je garde pour le dessert au final, mais hyper bon. J'ai le croissant. Là, non mais j'adore, regardez-moi ça. Je me permets de parler parce que je sais qu'elle va faire sa voix off. Non, il est là. Ah putain, mais oui, t'as coupé ton œuf. On a terminé de manger, je suis full, mais full. Et on va aller au Galaf acheter des maillots de bain. Sur TikTok, on m'a conseillé de regarder les maillots de bain Skims. Du coup, là, au Galaf, je vais aller voir s'ils en ont. J'ai trouvé un maillot. Il m'a coûté cher, voilà. Plus cher que ce que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai le kiff. Au moins, il était temps. En fait, je vais pouvoir vous le montrer en rayon. Attendez, je vais vous le montrer. C'est ça, le maillot. Il est trop cool, mais juste, il m'a coûté 160 euros. Merci beaucoup, merci, c'est trop cool. Attends, il y a mes lunettes, je crois. Merci, toi aussi. Mon budget maillot, il est beaucoup plus que... J'en rachète plus, hein. Je reçois ça de Konala à Nice et j'en rachète plus. Juste, faut que je trouve la petite chef Mumu, là. Faut que je trouve une robe orange qui se balade dans l'étage. I am solo. Les gars, je m'en remets toujours pas de mon achat. Je vais rentrer en vitesse, j'ai soif de ouf, et aller me poser dans un café avec mon ordi pour bosser. J'ai pas beaucoup de temps, en fait, il est 15h et le café, il ferme à 19h. C'est pas ouf en vrai pour tout ce que j'ai à faire. J'ai pas beaucoup avancé, demain va falloir que je sois plus réactive en fait. Bon, il y a un problème dans le métro donc je vais prendre une lime pour rentrer. Je pense que j'en ai pour genre 25 minutes. Dans tous les cas, putain je suis essoufflée. Dans tous les cas, je vais aller au café même si je vais pas avoir beaucoup de temps pour travailler. Genre c'est pas très productif de ma part. Je vais quand même y aller parce que ça va me faire du bon contenu parce qu'il peut servir du col brou genre stylé. Donc je veux y aller en fait. Les gars, j'ai pas déposé mon colis Timely. La saison du suage dans le métro a commencé. Genre là, enfin même pas dans le métro, dans la vie. Je sais pas si je suis. Arrivé à Bonne Nouvelle, c'est parti. J'espère vraiment qu'il y aura des prises. Ok, c'est ça le café. Oh, pardon. C'est ça que je vais prendre. C'est un café infusé. Ça s'appelle un siphon japonais. Et ça, c'est la carte. Du coup, c'est parfait pour bosser. Ok, guys, ça, c'est leur machine à cold brew. Putain, mais c'est hyper stylé. Je n'ai pas pris de cold brew parce que je voulais tester le siphon japonais. Mais du coup, je vais être obligée de goûter le cold brew en fait. En fait, je pense que je vais le prendre à emporter. Et comme ça, non, quoique demain, je vais faire un autre café. Mais tant pis, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et ça, c'est le café qui infuse. Est-ce qu'elles se sont foutues de ma gueule parce que je filmais ? Oui. Est-ce que ça m'a exaspérée ? Oui. C'est pas grave, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, mais je te jure que quand ça commence à exploser de rire, genre dans sa barbe, je suis là en mode... J'ai plus la patience, je n'ai pas la patience. Ok, c'est à moi de servir, juste j'ai le seum parce que j'ai ce format pour YouTube et l'autre format pour TikTok. Du coup, il va falloir que je fasse un choix là. Le choix sera TikTok, je suis désolée. Mon problème étant que je suis hyper maladroite et elle m'a mis du lait chaud et pas du lait froid. Donc j'ai le seum. Je suis très compliquée en café. C'est pas le meilleur café que j'ai bu, mais c'est pas grave, il est buvable. Et l'expérience était très cool et je vais rester taffée ici parce que l'ambiance est parfaite. J'ai tout mon matos et tout, ça part. Du coup là j'édite ma vidéo YouTube, j'avance bien. Il est 19h, j'ai terminé ma vidéo cold brew, j'ai terminé de la vlogger, enfin de la monter. Je suis trop contente et du coup là je vais me balader un peu puis rentrer chez moi. Je suis dans le 2. Je suis dans le 2. J'arrive à Sentier, Bourse, je sais pas. Trop contente là d'avoir été productive comme ça. Surtout j'ai monté grave vite, elle est trop bien la vidéo. And ce soir je vais pouvoir aller boire un verre avec mes copains. Donc voilà, c'était ça ma problématique en mode... Je dois faire des week-ends où je bosse tout le temps, mais c'est hyper dur parce que bosser dans la création de contenu, bah t'es tout seul et je suis obligée d'être toute seule. Et quand je monte, pareil, je suis toute seule et tout, filmer des vidéos, blablabla. Et du coup, bah, genre quand je sors après, j'arrive pas à mettre de limite en mode, bah, genre je sors pas trop tard, je bois pas, etc. Et en même temps, je peux pas faire de week-ends où je vois pas mes potes. Enfin bref, et mes potes sont très, genre on se retrouve à 23h et on va faire la fête quoi. Et moi, je suis là en mode, non, je peux pas.
Donc là, je suis contente parce que je vais boire un verre avec des potes et je pense que je vais pas rentrer trop tard. Donc j'aurai quand même réussi à avoir un week-end productif où j'arrive à voir mes potes, mais j'arrive à avoir mon temps toute seule. Mon temps toute seule que je déteste maintenant, vraiment. Je pourrais pas vous expliquer, mais qui est nécessaire. Ok, j'ai décidé de faire un saut chez Uniqlo parce que je cherche une tenue en lin et je ne trouve pas. Enfin, je trouve pas des tenues entières, ça me saoule. Ok guys, j'ai trouvé un ensemble plus ou moins short et chemise, mais en mode j'ai pris en S parce que le M me paraissait énorme, mais je sais pas pour qui je me prends parce que je fais pas du tout du S. Donc si c'est trop petit, bah j'aurai le seum parce qu'il va falloir que je revienne demain pour échanger. Ok, j'ai dépensé 65 €. Je sais pas pour qui je me prends aujourd'hui. L'idée c'est sympa, juste la chemise elle est trop petite, enfin la blouse, et 65 balles, non, ça sera un retour demain. Je suis très contente d'économiser 65 €. Je dis ça comme si c'était de l'économie, pas du tout. Ceci est ma tenue pour ce soir. C'est le même pantalon Dior et un petit haut en soie que j'ai fait sur mesure en Inde et qu'au final j'avais zappé. Je l'ai trouvé dans mon placard, j'ai dit mais toi je vais te porter. J'ai fait quelques modifications, j'ai mis un rouge à lèvres, parce que why not. Et un petit bindi assorti à mon haut, enfin c'est du violet. Il est 21 h 30 et tout ce que j'ai fait, c'est être dans mon canapé, faire un peu de montage. Les gars, je suis arrivée à destination. Elle, c'est London Mule CBD. Lui, c'est KP. Et moi, c'est Mojito. Mojito CBD. Maëva, elle veut qu'on sorte ce soir. Si Lucas, il me dit, vas-y, on se voit ce soir, ok. Si j'ai rien, bah je rentre. Tu vois, c'est Lucas qui est plus important que c'est pas une dinguerie, quand même. Tu vois le... Mais non mais... Comme ça c'est cool, je vais bloquer. Du coup voilà, ce qui est drôle c'est qu'il est pas du tout au courant. Tout le monde est au courant pour lui en tout cas. Tout le monde est au courant, sauf lui. Et il le saura jamais. Et je pense qu'il regardera pas ce vlog, donc c'est pas très grave. Mec, Lucas, on donne pas son prénom sur les réseaux. Son nom sur les réseaux c'est Lucas. Mais oui, mais t'as pas dit Lucas. Je suis trop perdue. Pour moi, c'était Lucas. Elles veulent aller dans une boîte de merde et j'ai la flemme. Mais si la soirée peut bien se finir, ok. Mais là, il n'y a pas de preuve que la soirée va bien se finir. Donc si j'ai un message qui me dit on se voit, je dis ok, la soirée peut bien se finir. Elle n'a pas compris le task. On parlait de Lucas, elle a appelé Tanguy. Non, vraiment, elle a appelé Tanguy. En fait, tu voulais des nouvelles de ton ex. Bon les gars, je me suis laissée entraîner à la Wonder, donc c'est parti en fait. Je sais pas comment vous dire que je déteste la Wonder. J'ai un seum d'être ici, mais un seum. Le truc c'est qu'on est sur liste, donc on fait ni la queue, ni on paye l'entrée. Marco, mais mon rouge à lèvres il a bavé de ouf et tout, c'est cata. Bref, mais si, regarde, reste quel contour. La soirée, ouais, y a rien qui va dans cette soirée. De toute façon, moi quand je dis je veux rentrer, normalement je rentre là, c'était pour venir voir Alexia. Donc je suis venue. Ok, y a pas de soucis. Y a rien qui va, j'en peux plus. On a qu'une envie, c'est de rentrer. Hein, Marco ? J'adore les réflexes. Dès qu'elle se voit dans une caméra, elle fait. J'adore. Maëva Star. 1 h 30, je rentre. Ce qui veut dire que je serai au lit vers 2 h 30, je pense. Je vais essayer de choper une trotte, mais il n'y en a pas aux alentours. Je viens de terminer un plat de pâtes chez Wham. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais pas faim. Là, je suis ballonnée et je trouve pas le truc pour tenir mon iPhone. Du coup, je suis en train de perdre patience parce qu'il est 2 h 30 et j'ai juste envie de dormir là. Je suis à bout. Je vais taper ma meilleure routine là. Je sais pas quoi faire de mes cheveux la nuit. Il est trop tard, je n'aime pas sortir. Si, j'adore sortir, je mens. Oh, je vous ai pas dit, j'ai chopé un coup de soleil. Oh, j'étais en terrasse là en brunch ce midi. Les gars, mais genre, j'étais comme ça en terrasse, je mangeais et tout. Bah vas-y, brûle ma peau, sale bâtard. Mais là, j'avais pas vu, mais là, je viens de voir. Là, je sais que je vais utiliser mon huile démaquillante. Donc, je suis trop contente. L'huile démaquillante de chez Seasonly, un délice. Oh, je suis fatiguée.
les gars, je suis toute rouge. En mode là, il va falloir que je fasse très attention. Et moi, je prends pas de coup de soleil, hein, normalement. Oh, j'ai pas préparé mon infusion au CBD. Le peeling de chez L'Oréal, je le kiffe. Donc, on va l'utiliser. Faut que je me fasse un masque. Ça fait longtemps que je me suis pas fait de masque. Cette lotion, je la kiffe trop. Mais cette lotion avec le combo huile de Nîmes, les gars, c'est un plaisir. Genre, ma peau, elle est ancre. Qu'est-ce que je vais mettre après? Je vais mettre la crème Aven. Parce que je la kiffe. Je comprends pas. Pourquoi ça se ferme pas? Est-ce que c'est le bon bouchon? Ah bah non. Et huile de Nîmes. Oh, ça, c'est la... C'est le meilleur moment de ma routine. Mon acné avec ça, disparu. Mon glow, apparu. J'adore. Je vous vois pas. Je vais prendre un truc. Je suis tellement ballonnée là. J'en peux hup. Ça me tire. Je sais pas pourquoi j'ai bouffé ces pâtes. Je vais prendre des charbons. Je n'en peux plus. J'ai un truc entier de charbon. Je vais prendre 5 tablettes. J'en prends 5 parce que mon médecin il m'a dit si tu en prends 5, t'en prends 5. C'est des tablettes que j'ai achetées en Inde. Franchement, ça fait des mois que j'en ai pas pris du charbon. Des mois et des mois parce que mes battements ça va, mais dernièrement ça va pas. Soubi guys, à demain. Love you. Morning guys. Il est 9h36, je me suis réveillée. Sans réveil. Du coup, je vais aller taffer rapidement ma vidéo YouTube. Comme ça peut-être je peux la poster. 9h36, ça veut dire j'ai jusqu'à 10h30 pour la poster. Je sais pas, entre 10h et 20h, c'est ça le truc. Ok, j'ai pris la décision de poster à 20h ma vidéo YouTube. Parce que là, j'ai la flemme. Et ça va être l'heure du caf. Les gars, j'ai pris un coup de soleil aussi ici vu que j'étais en débardeur. En mode, c'est cata. J'ai pris une décision aussi dans mon sommeil et au réveil. En mode, un de ces quatre, je vais faire un tatou pour couvrir lui. Genre un cover-up. Parce que j'aime pas. D'accord? C'était mon premier tatou. Mais il est trop épais. Et genre, il est trop... Il tombe trop... Enfin, il est trop éparpillé. Je sais pas. Genre, c'est quoi ça? On dirait deux... Enfin, deux ailes, genre. C'est... Non. Du coup, je vais le faire couvrir. Et je vais réécrire Joy, genre, vous savez, genre, fin ici, un truc comme ça. Voilà. Donc, je vois ma tatoueuse la semaine prochaine pour faire mes tatous. Bah, vous, quand la vidéo, elle sera sortie, je l'aurai vue, genre, 2 jours avant. Et je vais lui en parler en mode, un cover-up, un de ces quatre. Tu me ponds un truc et on fait un autre tatou Joy, quelque part d'autre. Voilà. Désolé, mais cet ensemble de chez Savage, il est trop beau. Et on me dit un peu le seum de pas en avoir commandé plus, mais c'est pas grave. J'aime trop. Je me rappelle la première fois que j'ai fait des vidéos avec ce truc, c'est une culotte, vous voyez. Et en mode, il y a une meuf qui avait commenté sur TikTok en mode, mais vous trouvez ça normal de faire des vidéos sur les réseaux en culotte et tout. J'ai vu le commentaire, je me suis dit déjà, elle, je veux pas sa vie. Je veux pas qu'elle soit dans la mienne, je veux pas qu'elle soit sur ma plateforme. J'ai supprimé les commentaires, j'ai les keblos, comme d'habitude. Et mais juste, je me suis dit, mais quelle vie! Genre, de commenter ça, parce que meuf, tu te balades un peu sur les réseaux et toutes les meufs qui sont en maillot de bain, moi aussi je me mets en maillot de bain sur les réseaux, je m'en fous. Mais, genre, meuf, il y a plus de tissu qu'un maillot de bain, qu'est-ce que tu me veux? J'étais vraiment... J'ai pas compris le but de ton commentaire, mais vas-y frérot, si ça te fait kiffer. Oh, il est là! Vous savez quoi? Putain, je suis trop contente. J'ai plus de grands verres pour Colbro en fait. Il faut que je lance une machine tout à l'heure. De toute façon, c'est un bordel ici. Est-ce que c'est étonnant venant de moi? Oh, il y avait un autre truc dont je me suis rendu compte hier en parlant à mes potes. Attendez, j'arrive. Je vais faire mon café là-dedans. Oui, donc ma réalisation, c'est que là, je vais partir en Inde en septembre, je vais être chez mes parents. En novembre, j'ai 24 ans. Ensuite, je fais un an de diplôme. Et quand je vais terminer, ça sera genre septembre l'année prochaine. Et ensuite, 2 mois plus tard, j'aurai 25 ans et je serai toujours chez mes parents. Donc, il va me rester 1 an pour prendre la décision de ce que je fais dans la vie. Parce que là, je sais toujours pas ce que je vais faire comme métier et tout. Et en mode... Parce que à 25...
Genre 25 ans, ok. Si j'ai tes parents, ok. Si t'as des projets de vie, tout ça. Ça me saoule, mais vas-y, ok. C'est un vase que je me sers. Mais genre, passé les 26 ans. Non. Vu comment j'ai taillé Tanguy en plus, parce qu'il a 28 ans et il vit chez ses parents. Non. Non, en vrai, si ça se justifie, vas-y, tu vois. Enfin, je parle pas pour lui, je parle pour moi. Mais ça veut dire que 2024, ça va être le moment de genre me prendre un appart et décider un peu de où je vais vivre et tout. Je sais pas où je vais vivre. Qu'est-ce que j'en sais si je vais vivre à Paname? Moi, j'ai envie de vivre en Asie, en fait. Il est 10h30, je suis un peu réveillée, mais surtout je viens de passer une heure à scroll sur Vinted. J'ai trouvé des trucs trop cool, mais je ne passe pas à l'achat. Pourquoi j'ai fait ça? Faut que j'aille rendre les trucs Uniqlo tout à l'heure, récupérer mes 65 balles là. Et déposer mon colis Timmy. Et là, je vais clairement, genre, ranger parce que c'est le bordel à l'appart. Et il y en a besoin, il y a des... Je reçois tellement de colis. Là, c'est... ça traîne de partout, il y a des vêtements partout et tout. Genre, vraiment, c'est cata. Ça me tend. Donc voilà, on va... Je vais ranger. Non, vous allez venir ici, vous allez m'aider à ranger, en fait. L'appart est rangé, même ma chambre et tout. Tout est rangé. Je suis trop contente. Là, je vais filmer ma collab pour Atelier Nubio. En fait, je suis bête. Dans la collab Atelier Nubio, il y a une huile démaquillante, donc je peux filmer ça que ce soir, en fait. Putain, j'ai que des lentilles. Ah non, lentilles de gauche. J'espère que j'en ai assez pour Nice. Parce que là, ça va être un peu chaotique. Mes cheveux, comme j'ai dormi dans un chignon, et bah c'est cata. Et je sais pas comment je vais arranger ça, mais mes cheveux, je sens que ça va être cata aujourd'hui et j'ai la flemme de les attacher. Je vais prendre le sérum de chez Skin and Out. Je vais aller au Hoxton, je vais bosser au Hoxton aujourd'hui. J'espère que ça va être lourd. Enfin, ça va être lourd, qu'il va pas y avoir trop de monde en fait. Parce que je mets ma crème solaire après la crème hydratante. Mais j'attends quand même que ça sèche et on va s'occuper de mes cheveux. Le truc, c'est que je peux pas les brosser. Parce que ça va niquer mes boucles. Et je n'ai pas de peigne ou quoi. Là, je sais pas les gérer. Hein, qu'on se le dise. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau. C'est clairement de l'apprentissage. Quand je vous dis les boucles, pour moi, c'est niveau. Donc, je sais pas encore, genre, quand je dors avec une queue de cheval... C'est pas génial, là j'ai testé le chignon, c'est pas ouf non plus. Enfin si, quoique le chignon c'est peut-être un tout petit peu mieux que la queue de cheval, je sais pas. C'est juste que ça fait une forme bizarre, mais je pense que c'est assez rattrapable. J'ai vraiment hâte que mes cheveux soient longs en fait. Je vais peut-être mettre du gel d'aloe vera pour les dessiner. On scrunch et on va mettre du gel d'aloe vera. J'ai bien envie de réorganiser ma journée là et d'aller plus tôt que 14-15 heures au Hoxton. Parce que, en fait, j'ai besoin de m'épiler les sourcils et tout. Et du coup, je ferais bien ça ce soir en mode soirée régienne. Là, je vais juste checker ma vidéo YouTube parce que je l'ai édite dans un café hier avec des AirPods. Et du coup, je ne sais pas du tout. C'est horrible parce que je me regarde et je regarde pas. Je sais que ce vlog, ça va être cata. Je vais pas vous regarder, vous. Je vais checker si tout va bien au niveau du son. Ok, le son, il faut qu'il soit plus fort. Sauf qu'il y a 100 000 clips dans mon montage. Donc, je vais clairement exporter la vidéo et ensuite monter le son sur toute la vidéo. Let's be smart ici. Ma vidéo YouTube est... J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la poster. Je suis trop heureuse, ma vidéo YouTube, elle est terminée, elle est programmée pour ce soir 20h, plus mon teasing est prêt, du coup c'est prêt pour Insta et TikTok. Yes! Productivité. Ça c'est mon look, du coup on a des cuissardes, oula! Un petit sac très vintage qui était à ma main de chez Vuitton et une robe chemise. Bref, là je suis un peu dépareillée mais tranquille. Je suis à bout là, je suis, j'ai chaud. J'ai envie d'aller en taxi au Hoxton, mais je vais pas le faire. J'ai envie d'y aller en trottin, mais je suis en bottes. Donc j'ai un peu la flemme. Donc je vais prendre le métro. Les gars, je suis zabou. Voilà.
Ok les gars, j'y suis, c'est parti. Les gars, il y a de la queue, mais vu que j'ai trop dansé et que je crève la dalle, je vais faire la queue, tant pis, si je perds du temps. Là, j'ai une dalle, mais de monstre. J'ai reçu une thé glacée déjà et j'ai commandé un avocado toast. Le thé glacé à la pêche est un peu chelou. Genre, il y a un truc bizarre. En tout cas, le service est très lent. Les gars, malheureusement, mon expérience au Hoxton n'est pas bonne. Ça fait une heure que je suis là et je n'ai toujours pas mon plat et j'ai faim. Et la serveuse, elle est trop mignonne. Mais genre, elle vient me voir, elle me fait toujours pas. Et j'étais là en mode, j'ai faim. J'ai eu mon plat, enfin. Enfin, j'ai tellement faim. Je me suis foutue, mais je crois que c'est parce qu'il y avait de l'œuf en fait. En fait, j'ai nettoyé. Je vous explique, j'ai nettoyé ma caméra avec ma robe et je crois qu'il y avait de l'œuf plein ma caméra. Parce que je suis un petit cochon, j'en fous toujours partout. Et du coup, là, genre j'ai de l'œuf plein la robe. Ouais, là je vais rentrer, je vais faire quelques petits TikTok, je vais faire ma collab pour La Poste et ma collab pour Atelier Nubio. Là, pour vous expliquer mon mood. Ah non, d'abord on va parler de ça. Humidité. Il faisait humide, lourd, mes cheveux, ça donne ça. Je vais envoyer ce clip à Louise pour qu'elle trouve une solution parce qu'en Inde, ça va être ça tout le temps. Je vais pas me balader avec ma crinière de lion tout le temps en Inde. Je vais finir avec mon turban tous les jours. Deuxièmement, comme vous pouvez le sentir, je suis irritée. Je sais pas ce qui m'arrive ces derniers jours, mais je suis irritable, susceptible, capricieuse. Ça m'énerve d'être dans cette humeur. En même temps, je sais pas si j'ai besoin de pleurer un bon coup pour que ça passe ou si j'ai besoin d'un bon verre de vin. Hello, hello Bougou, hello, je sais pas ce qui me prend. Vraiment, tu sais, joie de vivre et tout. Et ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Moi, ok. Non mais les gars, parce que là, ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est ce que je vais vivre H24 en Inde. Donc si je dois mettre du gel d'aloe vera toute la journée ou faire des trucs, ça va pas le faire. C'est cata, ça a gonflé, mais de ouf. Vous savez quoi, je vais tester l'infusion Mindologie que j'ai pas testée encore, c'est la Bon Courage contre l'anxiété, la fatigue. On va voir ce que ça donne. Oula mon œil, on va voir ce que ça donne. Ça sent bon. C'est bon, c'est à la menthe. Il est 19h45, je suis douchée, j'ai tourné ma collab Atelier Nubio. Il me reste quelques rushs à filmer et ensuite à monter. J'ai genre deux trucs à faire et je monte. Je fais ma voix off, la voix off de La Poste et je suis good. J'ai pas hyper faim mais j'ai quand même un peu faim. Du coup, je vais faire des dim sum de chez Picard parce que j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. J'aurais dû aller chez Sushi Shop. Oui, j'aime bien. Qui c'est qui est en train de chialer? Parce qu'elle a ouvert ses DM Insta et qu'il n'y a que des messages trop chou. C'est moi. J'en ai marre de pleurer tout le temps. Arrêtez d'envoyer des messages. Je suis trop heureuse. Et je suis trop contente de ma life et de ce que je fais dans ma vie. Du coup, genre, c'est... C'est assez difficile de garder toutes ces émotions en soi. Et du coup, pour les extérioriser, en ce moment, je chiale. Mais là, j'ai ouvert trop de messages. Genre trop chou. Et du coup, j'arrête pas de chialer. Va falloir arrêter de m'envoyer des messages. J'en peux hup. Il est bientôt 23h30, mais bonne nouvelle, j'ai terminé le montage de ma vidéo, de ma collab avec Atelier Nubio et j'ai fait la voix off. J'ai terminé le montage de la vidéo La Poste, j'ai pas fait la voix off parce qu'elle est plus longue que ce que je pensais et du coup mon script est trop court. En revanche, je sens qu'ils vont me dire, ouais, il y a le tote bag mais pas la tasse dans la vidéo. Sauf que la tasse, je l'ai pas. La tasse, je l'ai pas. Je sais pas où elle est, j'ai fait mes placards. Elle est pas là. Je sais pas comment je vais faire s'il me dit ça. Je vais dire, ah bah je suis à Nice. On va aller se coucher nous.
Zoubi guys, vous savez quoi, on va boire le café ensemble demain matin. On est franchement, on n'est pas à ça près dans les minutes de la vidéo. Ah, tu es avec moi? Non, pas toi. Ah. Oh, je parle de eux et moi. Non, je pensais que c'était un truc interactif, genre avec tes amis dans la villa ici, tu vois. Non mais c'est pas grave. Bonne nuit, Louise. Bye. Bah à Nice. Zoubi. Zoubi guys, à demain matin. Love you. J'ai toujours mes tics de TikTok de dire ok les gars, sauf que 15 ouais. fois dans la vidéo okay. c'est cata. Alors les gars ou... Ouais, tout le temps. Hey, et Zoubi quoi. Et après je fais putain mais on n'est pas dans TikTok, genre il y a un montage. Genre on passe au clip d'après. Ok bisous. Love you. Morning guys. Alors j'ai complètement zappé, on est 4 jours après avoir tourné la vidéo. J'ai complètement zappé que je devais faire le café. Je ne l'ai pas bu avec vous donc je le bois maintenant avec vous. Je suis à Nice, j'ai déjà monté la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas d'outro, donc je la filme maintenant dans un cadre vraiment génial. J'adore, je suis trop heureuse là et j'ai trop hâte de vous sortir ma vidéo. Du coup, j'allais vous faire mes commentaires sur la vidéo sur Insta, je le ferai sûrement en story, mais du coup je vais vous les faire maintenant. En fait, j'avais genre 2h30 de rush pour cette vidéo, j'ai tout raccourci, enfin j'ai raccourci, genre j'ai monté ma vidéo et je me retrouve avec ce format, cette vidéo que vous venez de regarder, et en mode moi je la trouve trop rapide. Voilà, c'était mon retour. Je trouve qu'on n'est pas assez posé devant la vidéo. En mode, on dirait que je vais prendre un train. Voilà, on dirait que je suis pressée. Toute la vidéo, je suis pressée. Genre, je la trouve hyper speed dans comment je l'ai montée. Est-ce que vous partagez mon avis? Moi, je pense que pour ceux que ça intéresse, vous me dites en commentaire, en vrai, si vous la trouvez très bien et que vous aimez ce format. Ou si vous voulez plus de rush, où genre je suis posée à parler et à raconter ma life. Voilà. Je trouve que je parle vite. Est-ce que... Mais après, le truc, c'est que quand je parle plus doucement, j'ai lâché beaucoup de... et je bug vachement. Genre, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. C'est un peu une cata. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format. Et voilà. Mais ouais, je trouve que c'est un peu... C'est un peu dans le rush. Genre... je la trouve pas trop posée. Voilà. Après, j'ai adoré filmer cette vidéo. Juste, c'était tellement long à monter. C'est cata, genre ça m'a tué. Voilà. Et du coup là, demain, là pendant que je suis en train de tourner sur Rush, demain je me fais tatouer. Salut. Salut. C'est à 4 non, je vais manger plus tard. Vous servez jusqu'à quelle heure? Non, mais c'est parce que j'ai une copine qui arrive à 16h. Ok, cool, merci. Ça c'était mon outro. J'ai hâte d'avoir vos commentaires sur le format. Dites-moi toujours en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des formats que vous voulez voir. Si je vous raconte plus ma life, moins ma life. Plus de vlogs posés, des vlogs comme ça. Voilà, vous me dites. Zoubi guys, love you!